Et salut tout le monde, on se retrouve pour le deuxième épisode de Terraria. Bonjour Miscellany. Bonjour, bonsoir à tous. Alors on a un petit peu farmé, on est un petit peu mort, et puis on a un petit peu farmé, et puis on va faire un lit. Et on a crash aussi, on a crash. Ah oui, et puis on a crash, oui. Enfin tu as crash puisque c'est toi qui host. Ouais, mais du coup ça t'a fait crasher aussi. Forcément. Il y avait de la stone ici, on l'a retiré pour qu'on mette de la dirt, et puis Ouais, faut qu'ensuite on puisse construire une maison un peu sympathique, qu'a de la gueule. Voilà, parce qu'au final on Puis va pas s'amuser à faire que des carrés comme ça, on va essayer de faire des maisons esthétiques en Surtout qu'en même plus, j'ai temps. pu montrer mes talents d'architecte à Ahmed, il était époustouflé. Voilà, donc et je lui ai dit en plus qu'il fallait qu'on fasse exactement la même chose pour cette série parce que on fait pas des vidéos pour rien. Ouais, et puis surtout que ça rajoute une dimension à ce qu'on peut faire dans la série. C'est pas plus mal. Ça va être sympa. Alors du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un lit en premier. Ouais, et il va falloir que j'aille récolter un peu de LED. Ah, t'as pas assez de LED? Non, on a tout utilisé dans les deux épées. Du coup, t'as besoin d'aide ou pas? Oh, t'inquiète pas. En attendant, t'as qu'à, je sais pas, couper les arbres, aplanir le terrain comme ça. Eh bien, bah, oh bah tiens, je vais aplanir le terrain. C'est pas une mauvaise idée ça. Parce que oh, Après, ce qu'on va essayer, oui, vas-y, vas-y. tu peux garder des courbes, parce que moi, qu'il y ait des courbes ou pas pour construire, ça je m'en fous. Oui, Mais non, c'est pas après, très grave ça. retirer tout ce qui est pierre, tout ça, ce serait pas mal. Et ben on va regarder. De toute façon, je pense qu'on va aller jusqu'à l'arbre géant. Tu me diras, l'arbre géant, on pourrait même le déglinguer, hein. Alors, c'est une idée, ça nous ferait plus de bois, certes, mais ce serait bien après de pouvoir couper tout ce qui est feuilles, tout ça, comme ça restera pas en l'air. Ah oui, Ça sera moi plus joli. je parlais de moi, j'allais monter et puis tout déglinguer quoi. Les feuilles, tu peux les casser telles quelles ou t'as besoin d'un outil Oui, mais non, spécifique? tu peux les casser à la pioche, t'en fiches. Alors, par Et contre, j'ai un slime. t'as moyen de les récupérer ou pas du tout? Alors, pour les récupérer, je sais pas, pour le coup. Ah. Je me... Ok. Ah bah t'es Je mort. me suis... Je me suis jamais posé la question parce que bon, je me suis jamais servi de feuilles pour décorer. D'accord. Il y a peut-être des Mais après, ce que. cheers ou des conneries comme ça, hein. Moi, sûrement. Mais après, ce que j'ai fait une fois, c'est faire une maison dans les feuillages de l'arbre. Et ça, c'était pas mal. Mais qu'est-ce que c'était galère, bordel! Oh là Ça, je là! viens de croire. Ah, mais. Va faire une maison avec en suivant les courbes des feuilles. C'est galère. Ça devait l'être. Aïe. Dis donc, c'est pas beau ça, la petite étoile filante qui tombe à côté de moi. Ah bah écoute. Par contre, c'est pas très jojo les 50 milliards de slimes qui me sautent dessus. Oh, ils sont tous morts d'un coup quoi. Magnifique. Et tout ça a été pris en record parce que je ne coupe jamais quand je fais des ellipses. C'est beau. C'est Le monsieur, il beau. va essayer de flex. Bon, de toute façon, j'ai bientôt terminé de péter l'arbre donc on va pouvoir bientôt commencer Construire, quoi. à faire le Bah déjà, lit. ce serait d'attendre le jour pour construire la maison. Ouais, on va attendre le jour pour faire la maison, mais en attendant, on va pouvoir faire le lit. Ouais. Et là, ce qui est bien, c'est que je vais ramener pas mal de bois pour construire les maisons. Nice, c'est bien. Et on aura déjà des murs en bois, étant donné que j'ai récupéré ce qu'il y avait derrière le gros tronc Bah, c'est parfait ça. là. Ouais. Alors. Alors, par contre, c'est du living wood wall. Je sais pas si c'est la même chose que ce qu'on a utilisé nous. Non, parce que nous, Non, c'était des planches, nous. ouais. La structure de la maison c'est du bois boréal et le fond c'est du bois basique. Hop, une autre étoile filante. Bah,
écoute. Et du coup, il t'en faut combien? Ah bah je peux. Mana cristal. Nice. Bim. Clic. 20 points de mana en plus, qui pour l'instant me sert à rien parce que j'ai aucun item de mana. Putain, c'est tout un calvaire pour faire un lit, je te jure. Rien que pour faire le lit, j'ai dû créer deux stations de craft en plus. Ah bon? Ouais. Mais va-t'en! Oh là là, j'aimerais bien avoir un yo-yo là. 15 bois et 5 de. Il va me falloir des étoiles d'araignée. Et oui, bien sûr. Alors, par contre, il va falloir que tu niques le zombie parce qu'il m'a piqué ma pièce en or. Et ça, je suis pas content. Ah bah attends, je vais y aller. Tirez-vous les yeux! Attends, le guide il va le tuer? Il l'a tué. Nice. Et moi, je prends la pièce en or parce que je suis un voleur. L'idéal c'est de garder 50 pièces en argent minimum pour. Fuck! Faut 50 pièces en argent pour le marchand. Okay. Ah putain, ça c'est drôle. Le karma il t'a pris, il a fait de toi cette petite. Ah ouais, c'est ça là, il m'a retourné, il m'a fait. Eh eh eh! Pout! Oh, puis je suis dans le noir, je suis à l'autre bout du monde. Il faut qu'on se fasse un lit. Ouais, mais. On a ce qu'il faut, mais. J'ai pas eu le temps parce que je me suis fait. Comment on dit? Assaillé par un zombie. Tu t'es fait violenter. Oui. J'arrive. Je me suis fait taper pas gentiment. Tu t'es fait victimiser. Putain. Le lit. Il me faut l'étoile d'araignée. Et j'en ai, c'est bon. Attends, je vais aller me chercher mes pièces là. Non, le zombie c'est ma pièce ça. Oh non. Il l'a pris. Rends-moi la pièce. Tu te calmes. Merci. Ah. Alors, oui. D'ailleurs, en règle générale, quand je rentre à la maison, je vais dans le coffre et je range mes pièces dans le coffre. C'est bien. Parce que là, on a 19 pièces d'argent, 2 pièces d'or et 67 pièces de copper dans le coffre. Nice. Alors, j'ai le lit, mais par contre, on n'a plus de place. Alors, du coup. Tu te débrouilles. C'est ça. De toute façon, je vais retirer les stations. Oh, tiens, vas-y. Moi, faut que j'aille récupérer le reste du bois aussi après derrière. L'enclume, on va la remettre là. Et puis le lit. Spawn point 7. Oh, le plaisir. Ah. Du coup, il va bientôt faire jour, c'est bien. Je vais pouvoir terminer de péter l'arbre. Moi, je peux courir. Oh, l'enfoiré. Oh, il y a deux étoiles filantes. Oh. Courir quoi. Oh là là. Regarde moi ça. Ça c'est la vie. Ah, ça oui, je me souviens que quand je pouvais courir dans ma partie c'était plus que la vie hein. Ah non mais si t'as pas de bot pour courir dans le jeu c'est mort, hein. tu peux rien faire. Puis le plus kiffant c'est quand tu peux faire des wall jump ou même que tu peux fly hein, ouais. Avec les ailes. Oula, par contre là les zombies ils sont pas contents là. Bah c'est bon, easy, regarde. Tiens. Tu veux te battre. Dis, viens. Regarde ça, il s'est fait à deux. Mais eh oh! Ah non, il t'a tapé toi, ça va. Ouais. Ow! Ouah, 50 points de vie là! Oh. Ah non, mais soit avec les. soit avec des os, mais ils sont vénères! Ah! Et ils partent avec l'argent. Non. T'inquiète que je vais courir. Hein. Ah oui, toi tu peux courir. Cours. Cours, Forest. Ils reviennent vers toi là, j'ai l'impression là. Yes. Ah, puis le temps de spawn quoi, c'est. Oh. Ah, mais il est horrible le temps de spawn. J'espère qu'ils vont changer ça pour la prochaine mage. C'est bon, j'ai l'argent. J'ai l'argent des abonnés. Très bien. Je vais aller récupérer nos tombes là pour la déco plus tard parce qu'on va, on va être obligé de faire un cimetière. Hein. On a un œil violet là. Qui m'a déjà enlevé la moitié de ma vie, mais c'est pas grave. Ouais, violet. Ah. Viens là. C'est quoi, c'est un shiny ça? Non, c'est rien. Il est juste. Il est malade. Non, il va me tuer lui. Il va me tuer. Wow, j'ai failli mourir. Oh, dis donc, Allez, je suis poli. Wow. Pinusatos. Mais en même temps, quoi. Il a fait. Et il a pas le temps. Hein. Mesdames et messieurs, bienvenue sur le mode expert. Je vais aller le chercher.
Je vais aller chercher celui-là. Hop. Hop. Tiens. Qu'est-ce que tu veux, toi? Toi aussi, t'as des pièces, toi? Donne-moi tes pièces, toi. Oh, l'autre, il vole l'argent. Tiens. Ouais, notre cimetière va être assez grand, je pense. Recule, recule. Et il t'a sauté. Ouais, un petit coup de ping-pong là. Je vais terminer de retirer les murs qui traînent dans le vide là. Yes. Plus la corde là. Et là, vu qu'il commence à faire jour, on a la petite musique du jour qui apparaît. On te fait plaisir. C'est bien. Hop, hop. Oh, je suis en train de jeter des glow sticks partout là. Ah, les gâche pas. Trop tard, c'est envoyé. Putain, faut... Mon chat est dans une position. Il est en train de prendre son pied à dormir là. Oh, oh, j'ai envie de l'emmerder. Mais bon, il fait pas chier, donc je vais le laisser dormir. Ok, donc le lit est fait. Maintenant, nous allons faire une petite partie construction. Et on va mettre ça en accéléré, messieurs, dames. Mais tu l'as poussé sur moi! Très bien, c'est là-dessus qu'on va officiellement arrêter ce timelapse. Parce que Miscellany a commis un meurtre. Je tenais l'affaire. Et il l'a poussé sur moi. Du coup, je meurs. Encore une fois. Donc, ça va. Ah, c'était drôle. C'était drôle de ton côté, pas du mien. Oh, écoute, c'est un temps que ça allait d'un côté. Du coup... je vais mettre ma petite table, ma petite chaise.
pour le moment bah, là du coup, de. J'ai mis une petite bannière là. Je sais pas ce que t'en penses. Tu as mis quoi? Une petite bannière là sur la gauche. Ah oui, elle est sympa cette bannière. Et il faut 3 de soie pour pouvoir en faire, donc faut récolter des toiles d'araignée. D'accord. Moi du coup j'ai fait une petite maison sympathique ici là. Qui prend forme. Voilà, moi je vais les foutre là-dedans, dans ce petit trou là. Voilà, ils sont très bien. Comme ouais. Ça ils ont leur maison. Et du coup on est d'accord que ça, l'espace où on est, c'est un nouvel espace pour un autre PNJ. Hein. C'est ça, c'est ouais. Les plateformes des limites, enfin les blocs et plateformes des limites, une sorte de nouvelle maison si tu veux. Mmh. C'est tant que c'est un espace clos entre guillemets, ça c'est considéré comme un endroit habitable. C'est-à-dire que là par exemple si je vais dans le menu, que je fais tac avec le guide, maintenant il habite dans cette petite cabane là. Ah oui, alors du coup il faut que je regarde dans les maisons. Ouais c'est ça, je vois la bannière du guide, ouais. Ok. House Inquiry. Alors, par contre, du coup, c'est toi qui as les sous ou pas? Actuellement j'ai 25 pièces de silver. Ok, donc on s'est fait enculer sur l'argent. Un petit peu. Je comprends pas pourquoi. Non mais je vais les défoncer les autres là-bas là. C'est le guide qui aide. Ils sont tous focus sur le guide hein. Ah non mais. Ah non c'est parce que c'est le jour, enfin. Ah. Du coup ils se cassent. Bon du coup t'as récupéré tout l'argent. Du coup ouais, là j'ai 34 de silver. Ok bah. Garde 50 sur toi. Comment tu fais pour. Tu peux transformer les golds en silver? Tu peux. Tu mets dans ton inventaire puis tu peux. Après une pièce de gold ça marche aussi. Ok, bon, c'est bon, j'en ai 4 sur moi. Ouais par contre, oh ouais là, c'est vrai que la tempête de neige elle est vachement épaisse. Ouais. Oh, je voulais le tuer. Waouh, ouais, c'est beaucoup plus épais maintenant. Quand tu sors dehors, c'est. Ouh. Ah ouais. Ah oh, c'est super cet effet là tu vois. Ouais c'est vraiment pas mal hein. Oh tu sens qu'ils ont vachement bossé l'esthétique. Ouais, il est vraiment joli comme jeu. Hein. Très très joli. Hein. Tiens, coup, le canard. Est-ce que je fais des courbures autour, enfin sur toute la toiture de la maison, ou est-ce que je fais qu'à l'intérieur? Alors ça, je ne sais pas. En tout cas, je suis content de ce que ça donne. C'est sympathique. On ouais. A fait une petite maison ici, un pseudo château tout pourri ici. Voilà. Et une autre maison un peu ovale. Ouais. Sympathique ouais, aussi. J'ai pris modèle sur une de mes maisons que j'avais fait. Putain, est-ce que je vais réussir à viser le bloc? Je ne sais pas. Mais en attendant, on va attendre un nouveau PNJ. Et dès que le nouveau PNJ arrivera, on s'arrêtera là pour cet épisode. Et d'ailleurs, cet arbre qui a poussé ici est vraiment bien foutu. Hein. Oh, il ouais. Y a un slime avec un parapluie. Oh, il est kiki. Dommage qu'il va mourir. En tout cas, ça fait une bonne petite ville. Une fois qu'on aura récupéré certains trucs au fur et à mesure du jeu, on pourra avoir de nouveaux PNJ. Et on décorera plus les maisons, bien évidemment. Ça, c'est un truc qui va aller en avant. Ouais parce qu'il y a pas mal d'items pour décorer dans ce jeu et ouais. Bah on n'a pas fini de tout voir. Ah tiens, il y a le marchand. Bingo, le marchand. Bah écoute, le marchand il est dans ton château. Très bien. Il habite maintenant dans ton château. Très bien. Du coup qu'est-ce qu'il nous vend déjà le marchand? Non, tu t'en vas toi. Ouais là tu t'en vas toi. Ah bah tiens tu vois par exemple il nous vend une tirelire qui coûte une pièce en or. Et la tirelire au moins l'avantage c'est que c'est un espace de stockage propre à chaque personnage qui joue. Et du coup, ça c'est pas mal. Piggy bank acheté. Puis après tu la poses où tu veux. Mining helmet. Un défense. Light when. Oh c'est pas mal ça. Ouais mais 4 pièces d'or je les ai pas. Ouais puis surtout que c'est pas rentable. D'accord. Bon de toute façon y a rien d'autre à acheter là-dedans. Mets-toi en tête que plus tard on va avoir des armures qui vont. Des casques qui vont nous faire par exemple 16 de défense. Mais est-ce que tu te vois porter un truc qui fait 1 de défense juste pour avoir un peu plus de lumière? Oui! Ah. Non, je rigole. Ah, ok. Quand même. Parce que, bon. C'est pas qu'il faut être bête pour faire ça, mais un peu quand même. Ah, parce que bon. Tu me traites de bête, c'est ça? Ah, non, puisque tu le fais pas. Ah, ça va. Hey. Ah, il l'a droppé son chapeau anti-pluie là. Ah, du coup, hop. Tu peux mettre en item ouais. De vanille. Voilà, je l'ai. ML le pêcheur. Je suis magnifique. Le swag incarné. Bon, et bien du coup, messieurs, dames, c'est là-dessus qu'on va s'arrêter pour cet épisode. J'ai tourné pendant 50 minutes. Avec le timelapse inclus dedans, donc on verra ce que ça donnera. Ouais. Puis après, en off-camera, on va
et décorer un peu plus, puis encore farmer quelques minerais. Ouais, je pense qu'on ira partir miner, enfin farmer quelques minerais. Ouais, mais pareil, de toute façon, il faut quand même qu'on tourne certaines parties quand on part miner, parce qu'on peut tomber sur des mines puis, abandonnées et tout. Donc, c'est bien de commencer à partir explorer le monde plus loin. Ouais. Voir où est la Crimson et tout ce tralala. Eh bien écoute, moi je te propose, prochain épisode, on passe un épisode entier à rester sous les grottes pour miner, récupérer le plus de ressources possible et explorer le sous-sol. Puis éventuellement récolter des cristaux de haut. Oh, bah, le démolisseur. Il va nous vendre des bombes. Oh bah oui, c'est lui qui vend des bombes. Il va nous vendre des bombes. Donne. Oh, des bombes. Et de la dynamite normalement. Oh, des grenades, oui, il y a de la dynamite, ouais. Ça va être bon ça. Surtout avec tu craftes avec de la gelée de slime et ça te fait des bombes collantes et c'est parfait pour miner ça. J'ai acheté 3 bombes. C'était plus fort que moi. Mais ouais, du coup miner pour le prochain épisode, ça paraît être pas mal. Puis ouais, si on va miner quelque chose de pas mal, ça pourrait être bien. Yes, on va miner pour le prochain et celui encore d'après, je pense qu'on partira à l'exploration du monde, voir qu'est-ce qu'il y a un peu à droite à gauche. Ouais, parce que ce serait bien de ce stuff avant de partir. Bah c'est ça, parce que si on part loin, ça va être compliqué si on décède, surtout en mode expert. Oui. Sur ce, merci d'avoir regardé et à très bientôt tout le monde. Bye. Bye.